Bon bah voilà, je suis allé voir Transformers. Au bout d'une semaine, j'avais pas spécialement envie d'y aller. Je me suis bien amusé au début. Et puis c'est parti en couille. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Transformers The Last Night réalisé par fucking Michael Bay. Tu casses les couilles à faire tout exploser. Avec Anthony Hopkins et Mark Wahlberg, et puis de toute façon le reste on s'en fout parce qu'ils sont complètement invisibles. Bon, puis en dehors des acteurs, il y a quand même les Transformers qui sont trop bien parce que t'as des Transformers dragons, t'as des Transformers dinosaures, t'as des Transformers Fast and Furious, donc c'est trop cool. Et du boom boom. Ça va être rapide, ça va être cuté, il va y avoir du clac 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 clac, tu vas plus rien comprendre parce que là j'ai envie de faire un beau truc. Parce que je vais pas le faire en critique critiquable, mais que j'ai quand même envie d'y mettre ma petite sauce comme j'avais fait pour Gangsterdam. Donc, globalement, le film, il est pas dégueulasse. Disons juste que je l'ai trouvé correct au début, et j'ai fini par me dire « T'endors pas, t'endors pas, t'endors pas, oh, ça ressemble à Transformers 3, oh, ça ressemble à Transformers 4 !» Voilà, t'es une mise en situation intéressante, et dès que ça commence à te dire « Il faut tout faire péter », eh ben, ça fait tout péter pendant une heure, et tu te retrouves avec le même schéma que tous les Transformers. Alors, je vais commencer tout de suite par un truc qui m'a énervé, parce que j'ai rien compris. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a cherché à nous faire sortir du film avec une connerie pareille? C'est son format d'image. J'ai même cru que le projectionniste avait fait de la merde. Mais apparemment, non. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves avec une image pleine, une image pleine dans un premier format, une image avec deux légères bandes noires dans un deuxième format, et un troisième format un peu genre cinémascope, avec vraiment deux grands bandes noires sur le haut et sur le bas. Donc tu passes comme ça de format à un autre, tu comprends pas pourquoi. À la rigueur, tu te dirais oui, d'accord, peut-être qu'il a choisi ce format-là pour les scènes d'action et ce format-là pour les dialogues, pourquoi pas. Sauf que non, c'est complètement aléatoire. Du coup, je sais pas pourquoi Michael Bay, il a voulu se la jouer artiste, alors qu'on sait très bien que c'est juste un mec qui veut tout faire exploser. Et donc, tu vois, par exemple, Xavier Dolan, quand il fait un changement de cadrage, tu comprends son format, tu comprends pourquoi il change de cadre. Là, tu ne comprends vraiment pas pourquoi. Donc ça déjà, ça m'a fait chier parce qu'il m'a fallu au moins 20 minutes, mais vraiment 20 minutes, hein, avant de me dire, ça y est, je suis rentré dans le film, parce que tout le long, j'étais là, je fais, ah mais putain, pourquoi tu changes de format, pourquoi tu fais ça? Et sur le coup, ça a choqué personne, j'ai l'impression, putain, et c'est pas parce que je fais des études en cinéma, hein, n'importe quel spectateur va s'en rendre compte de ce problème. Et donc du coup, tu sors du film constamment et tu dis, ah, tu changes de format, ah, tu changes de format. Du coup, ce que le gars, il a dit, même si c'est pas intéressant, parce que les dialogues et l'histoire, voilà, hein, juste des prétextes pour faire tout péter, bah du coup, tu te dis, mais merde, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais sortir du film? Donc voilà, ça m'a fait chier. Bon, du coup, j'ai parlé vite fait de l'histoire, hein, prétexte pour faire du boom boom. C'est un peu plus développé que d'habitude. Voilà, il y a un peu plus d'histoire. J'ai bien aimé le petit côté légende arthurienne appliqué avec les Transformers. Ce qui est juste dommage, c'est que finalement, on t'a vendu le film comme un film qui allait se passer au Moyen-Âge, comme un film qui allait se passer chez les nazis, et que ça allait être genre trois époques différentes qui allaient englober la totalité du film, pardon. Alors que finalement, eh ben, la légende arthurienne, c'est 5 minutes d'ouverture, les nazis, c'est une scène. Mais une scène qui dure genre 2 minutes, et même pas 2 minutes en fait, c'est juste un flashback, c'est vraiment une petite scène. Donc pour ça c'est con, parce que moi, des Transformers chez les nazis, des Transformers chez les chevaliers, ça m'aurait vraiment plu. Plutôt que de revenir à une époque contemporaine, encore une fois, alors que, bon, dans le 1 c'était ça, dans le 2 c'était ça, dans le 3 c'était ça, dans le 4 c'était ça, la 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 la. Mais bon, ça reste convenable, tu suis l'histoire, tu te dis pas qu'il y a des incohérences, moi j'ai pas ressenti des incohérences. Après, il y en a peut-être, parce que justement, le problème de ce film, c'est qu'il dure 2 putains d'heures et demie. Mais t'as rien à raconter là-dedans. Quand t'as rien à raconter dans un film de 2h30, tu fais un film de 2h et tu fais pas chier, quoi. Là, Ça rallonge avec des personnages qui servent à que dalle. La gamine là de 14 piges, elle sert à quoi? Elle sert à quoi la gamine de 14 piges? Franchement, il sert à quoi son black là? T'as l'impression qu'ils ont mis une hispano-américaine et un afro-américain histoire d'avoir des quotas. Mais putain, mais quand tes personnages ils servent à rien, tu les supprimes et tu fais pas chier quoi. Et d'ailleurs au niveau des personnages, je vous dis, heureusement qu'il y a Anthony Hopkins et Mark Wahlberg, parce que eux c'est des personnages qui sont vraiment cool. Donc t'as le cynisme de Mark Wahlberg, et t'as Anthony Hopkins qui
qui a pété une durée, quoi. Il manque une case dans ce film. Il est vraiment excellent. Et vas-y que je te dis, va te faire enculer. Et vas-y que je pète les plombs. Et vas-y que... Bonjour, le Premier ministre, il est là. Vous voulez pas me laisser rentrer? Bon, bah, c'est pas grave, je vais prendre la porte de derrière. le mec est complètement barge. Anthony Hopkins a dû s'éclater sur ce film. Et moi, je me suis éclaté à le regarder là-dedans. Après, t'as son majordome aussi qui est vraiment cool. Une sorte d'Alfred, mais sociopathe. Tu vois, genre Alfred dans Batman. Mais que dès que tu vas lui casser les couilles, bah, il va vouloir te péter la gueule, voire te tuer. Donc, franchement, ces trois personnages-là étaient vraiment cool. Et les Transformers aussi qui sont intéressants. Mais là encore, il n'y a pas un développement. Par exemple, sur Optimus Prime, tu comprends pas vraiment. Il est passé chez les ennemis et d'un coup, on te dit « Ah bah, désolé, je vous trahirai plus. » « Ah bon, d'accord. Bah, allez, viens, on va casser la gueule à Cybertron. » D'accord, c'est magique, hein, tu sais, les retournements de situation comme ça. C'est pour ça que je dis que le scénario n'est pas développé et que c'est juste un prétexte pour faire boum boum. C'est que t'as vraiment pas grand chose de développer au niveau des personnages, de développer au niveau de l'histoire. L'histoire est correcte, mais voilà, t'en as pas tant que ça. T'attends plein de choses de ce film en fait. Moi j'en attendais vraiment quelque chose, hein, parce que je me suis dit que ça allait être le film qui allait nous sortir de toutes les merdes de Transformers qu'on avait eu l'habitude de voir. Et déjà le 4, je trouvais qu'il y avait des choses très intéressantes, mais qu'il n'allait pas au bout des choses, donc du coup ça retombait dans les trucs habituels, complètement clichés et débiles. Et en fait le numéro 5 fait pareil, on commence avec une histoire qui semble très intéressante et on retombe sur de la merde pas possible, quoi. Et pour revenir sur les personnages, pourquoi ce mec choisit que des meufs qui n'ont aucun charisme? Être une bimbo vulgaire, c'est pas du charisme, hein. Je suis désolé, l'historienne. C'est Megan Fox, mais parce qu'il a paru, il s'entend plus avec Megan Fox, il a cherché la copine Megan Fox. Et puis en plus, de la manière dont il l'habille, j'ai toujours l'impression que j'ai une introduction d'un film de boules. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi prendre des meufs comme ça sans charisme et que t'as l'impression qu'il a sorti ça d'un magazine érotique, j'en sais rien. Je suis désolé pour elle, hein, mais pour moi, elle a aucun charisme et du coup, elle apporte rien. Même quand elle joue, mais putain, elle joue avec sa gueule. C'est-à-dire qu'elle joue, avec ses lèvres pulpeuses, tu vois. C'est genre, elle a pas de jeu et c'est genre, ah bah c'est pas grave, je suis belle à l'écran, donc du coup, ça passe. Putain, non mais non. Après, niveau visuel, bon voilà, ça te pète à la gueule, c'est pas dégueulasse. C'est correct, mais j'en aurais attendu un peu plus. Bien qu'il y a certaines scènes qui sont vraiment très bonnes, notamment quand t'as Bumblebee qui se défragmente en plusieurs morceaux, cette scène-là, elle est vraiment bien travaillée. Et t'as vraiment des très beaux plans, notamment il y avait un groupe de gamins qui était derrière moi, je sais pas, peut-être 13-14 ans, un truc comme ça, et à un moment, il y a le sous-marin et puis il y a les côtes anglaises, et puis j'entends le gamin derrière qui fait « Waouh, c'est trop beau !» Donc, si Michael Bay arrive à faire à donner goût au paysage chez les gamins, moi je dis pas non, voilà. Voilà, tout n'est pas acheté chez Michael Bay, c'est juste que quand tu prends dans la globalité, ça reste de la daube. Voilà, c'est ça le truc. J'avoue aussi que les Transformers dinosaures, ça marche super bien. Genre, recrache la voiture comme si il avait avalé un truc qu'il fallait pas, comme s'il parlait à son chien, c'est vraiment très bon. Donc voilà, je vous dis, il y a des choses drôles. Mais vraiment drôle, hein, drôle de chez drôle, tu vois, ça te fait sourire, tu rigoles bien. Moi je vous dis, j'ai rigolé plusieurs fois, notamment avec Anthony Hopkins, et certaines répliques comme ça qui fonctionnent. Mais à côté, t'as quand même des trucs débiles, du genre Mark Wahlberg qui enlève son t-shirt, et t'as l'historienne bimbo là qui va arriver, on fait comme, ouais, ben, non putain. Et puis ça fait les bisous à la fin pour le happy end, hein, parce que c'est trop bien quand le héros il se tape la putain de bonnage du film. Et ouais, je fais exprès de prendre une voix de débile parce que je suis sûr que ça c'est des genres de réflexions que les mecs se font à chaque fois qu'ils vont voir un Transformers sans se rendre compte que c'est le putain de même film à chaque fois. Oui, j'avoue, cette vidéo est un petit peu schizophrène, hein, autant j'en dis du bien, autant des moments je suis très violent. Donc en résumé, c'est un visuel qui est vraiment bien foutu, outre ce putain de cadrage qui m'énerve encore, je vous jure, rien que d'y repenser, ça m'énerve, j'ai envie de crever l'écran, quoi. Et sinon, ouais, le visuel est assez intéressant, il va pas au bout des choses, moi je trouve qu'il est... Enfin, c'est pas qu'il est paresseux, mais c'est qu'il a manqué d'une scène mémorable. Moi je pense que la scène mémorable pour moi, ce sera celle de Bumblebee. Bumblebee et... Bumblebee... Ouais, et donc du coup, c'est même pas une scène mémorable en soi.
En fait, je vais m'en rappeler parce que c'est, j'ai rien vu de mieux que celle-là, quoi. Donc c'est chaud quand même. Après, voilà, le scénario, il est bien sur le début, mais tu sens qu'au bout de 50 minutes, il a plus rien à raconter. Et comme le film dure 2h30, ben, je peux te dire que j'ai failli m'endormir plus d'une fois. Et je connais des gens qui se sont endormis. Donc c'est vraiment qu'il y a un problème là-dedans au niveau de la narration. Il y a des blagues qui sont très drôles, mais il y a des blagues qui sont à ras de la bite, hein, ça c'est clair et net. T'as vraiment l'impression que Michael Bay, il a 12 ans d'âge mental et fait de faire une blague sur les biscuits, ça va être trop bien. Soupir. Donc Transformers The Last Night, c'était... voilà, c'est comme ça que je vais terminer. C'était... N'hésitez pas à liker, commenter et partager, me dire ce que vous avez pensé du film, me dire si vous n'êtes pas d'accord, me dire si vous êtes d'accord, me dire ce que tu as mangé ce matin au petit-déj, je m'en bats les couilles. Tu peux t'exprimer, tu peux dire tout ce que tu veux dans les commentaires, c'est ton espace, c'est notre espace parce que je tiens aussi à vous répondre le plus souvent possible quand j'ai des choses à raconter. Hein. Si je vous réponds pas, c'est que je ne sais pas exactement quoi répondre, donc ça peut arriver aussi. Genre quand vous me dites bonne vidéo, à part merci, je vois pas quoi répondre. Donc voilà, like, partage, commente, vraiment donne ton avis. Et puis ben, je te dis à la prochaine. Salut.